Un frère ou une sœur pour Archie? Dans son interview vérité accordée à Oprah Winfrey sur CBS dimanche 7 mars, Meghan Markle a enfin révélé la réponse, près d'un mois après l'annonce de sa deuxième grossesse. Et pour répondre à cette question de l'animatrice américaine, le prince Harry a souhaité être auprès de sa femme pour annoncer la nouvelle lui-même. Réponse? Les Sussex compléteront leur petite famille avec l'arrivée d'une petite fille, qui devrait pointer le bout de son nez cet été. Si y est-il une fille? A lancé le duc de Sussex, visiblement réjoui. Un bonheur pour le prince Harry qui est déjà le père d'un fils. Je suis reconnaissant, avoir un enfant, peu importe le sexe, ça aurait été génial, a poursuivi le mari de Meghan Markle. Mais avoir un garçon puis une fille, que demander de plus? Oprah Winfrey a alors demandé au couple si d'autres enfants pourraient rejoindre leur famille. Les tourtereaux se contenteront de leurs deux enfants et de leurs deux chiens. Meghan Markle victime d'une fausse couche l'été dernier, une joie retrouvée pour le prince Harry et Meghan Markle. En novembre dernier, l'ex-actrice avait confié avoir été victime d'une fausse couche plusieurs mois auparavant. Épreuve dont elle a retracé l'expérience dans une tribune publiée dans le New York Times avec le soutien de son époux et de sa famille malgré les tensions. Mais s'ils s'apprêtent à pouponner de nouveau, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas oublié de régler leur compte avec la famille royale d'Angleterre au cours de leur interview avec Oprah Winfrey. Les Sussex ont joué carte sur table sur leur sortie de la monarchie.